Salut à tous, c'est Dame Boss de chez Damien Studio et on se retrouve aujourd'hui donc avec mes petites vaches que vous avez vues à l'instant pour un nouvel épisode des bases de Minecraft. Alors maintenant on va tout de suite aller miner car aujourd'hui c'est l'objectif Nether et on va aller chercher du diamant. Donc pour rappel, pour avoir du diamant c'est très simple, il faut en trouver donc dans certaines couches, donc je vous en parlerai plus tard. Mais il faut surtout une pioche au fer minimum, car sinon ça ne marche pas. On ne peut pas prendre du diamant avec une pioche en pierre. Ah bah tiens, il y a du fer, c'est génial, je vais prendre. En passant, voilà. Et donc on va faire ça très vite, hein. On va descendre. Je me souviens qu'il y avait un donjon, et donc je vais essayer de le retrouver. Voilà, alors oui, voilà, là c'était l'araignée, j'avais récupéré des fils ici. Là on est dans quelle, sur quelle couche? Ok, on va essayer de passer par là. Ah ouais, non, non, on peut pas passer. Bon, on va passer par l'autre. Oh mais il y a plein de mini-zombies, c'est n'importe quoi ça. Plus lui il a une épée en fer là. Oh il me l'a pas donné. Donc on va passer de l'autre côté, par ici. Ou de creeper, ou de creeper, attention. C'est l'autre qui s'est tué. Attends, attends. Ah, encore un creeper, mais c'est une grande embuscade, c'est pas possible. Bon, allez. J'ai un peu. Je vais dépêcher de descendre. Là je mets un peu de lumière parce qu'après vous voyez rien. Là le donjon continue. Tiens, il y a un zombie là. Il va mourir là. Je continue par où? Oui non, je vais pas aller plus loin. Je vais passer par là. Je vais voir ce qu'il y a. Hop. Alors là je vais mettre. Aïe. Un squelette. Punaise. C'est quoi ce squelette là? Laisse-moi tranquille. Mais laisse-moi tranquille. Il m'a enlevé tous mes PV. J'ai plus de pain. Bon, je vais un peu récupérer mes vies. Et à tout de suite. Bon, voilà, c'est bon. J'ai récupéré mes vies en mangeant de la chair putréfiée. Car oui, je n'ai plus de nourriture. Et donc, j'ai été obligé d'en manger. C'est un peu un poison, hein. Bon, si vous en avez, vous en mangez au cas où. Ah, oh, génial, de l'or. Et non, faut vraiment pas en manger. Moi j'en mange parce que si vous avez faim, bon, faut en manger. On est un peu obligé. Bon. Je vais prendre génial de l'or. Voilà. Oh, tiens, y a un passage. Si j'entends des zombies, ça va être risqué. S'il n'y a pas le bruit de Minecraft, je remédierai à ça. Pour le prochain épisode. Voilà, c'est bon. Il y a encore des bruits. Je voudrais bien mettre une torche. Voilà. Alors là, il y a mon petit torche. Je voudrais bien prendre. Attention, attention. Hop. Et on saute. Voilà, génial. Alors on va aller essayer de continuer par là. Ça remonte. Ouais, ça s'arrête là. Bon. On va quand même aller prendre le petit chemin. Et c'est parti. Alors bah direct on va à gauche parce que ça descend, c'est comme ça. Alors hop, au revoir le squelette. Meurs, 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 meurs. Merci. Oula, il y a plein de redstone et un lac de lave. Haha. Alors de quel côté on passe? Et hop, on passe par là. Je ramasse un peu de redstone. Ouais, on est sur une couche où on peut trouver du diamant. Hein. Ah ouais. En même temps, il y a un lac de lave, donc c'est pas surprenant. Le lac de lave, on le trouve à peu près au même niveau que le diamant. Là, j'essaye de passer un peu sur le côté. Bon, je continue à faire tout ça.
Et on se revoit tout de suite. Plein de zombies là. Ah, ils meurent tous dans la lave. Attends, viens par là toi. Faut pas que je tombe dans la lave. Viens par là toi. Viens par là toi. Oui, tu meurs. Il meurt. Oui, il y en a plein. Il y a peut-être un spawner. Bon, je vais faire un petit pont pour passer de l'autre côté parce qu'il y a vraiment pas mal de zombies. Faut vraiment que je me refasse une pioche. Voilà, c'est ce que j'ai. C'est ce que. Bon, je vais le faire. Hop. Établi. Est-ce que j'ai assez de poids? Ouais, c'est bon. Voilà, c'est quand même mieux. Est-ce qu'il y a toujours les zombies? Non. Il n'y en a plus. On va quand même continuer à miner. Je me fais un petit espace là si je veux revenir. C'est parti. Attention, il y a un trou. Et on est reparti. C'est parti. Donc je vais essayer de trouver du diamant. Hop, il y a du fer, il y a pas mal de trucs. Ce serait bien de trouver très vite du diamant pour après aller au Nether. Une faille. Donc je vais prendre un peu de hauteur pour voir si on aurait certains minerais qui nous intéressent. Non, il y a beaucoup d'eau. Il y a un zombie qui m'énerve. Allez, va mourir, va mourir. Bon, de toute façon, il faut aller le plus bas possible. On va un peu quand même visiter cette faille. Ok. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. J'avais vu là que ça descendait, on va aller ici. Ouais, de toute façon, il n'y a rien, ça continue pas. Là, on est bien ici. Là, on est bien. Je vais remonter là où j'étais parce que j'avais vu une autre issue. On va aller voir si c'est possible. On va redescendre là-bas parce que c'est pas assez bas en fait. On va aller voir si on peut faire autre chose. De l'autre côté. Alors. Je prends un peu la redstone. Hop. Voilà. Je passe par là, c'est plus simple, je trouve. Hein. Voilà. Pour aller de ce côté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, là, déjà, on a des grottes. Oh. Je retrouve de l'or. C'est pas mal du tout. C'est plutôt avantageux. Alors, après, ici, on a encore des lacs de lave, mais toujours pas de diamants. Faire quand même attention aux monstres, hein, parce qu'ils peuvent nous pousser dans la lave. Hop, je vais prendre. Bon, là, il y a du fer, je vais le prendre. Après, je vais essayer de contourner le lac de lave par la gauche, parce que de l'autre côté, il y a encore une grotte. Qui est là-bas. Ouais. Là, en plus, il y a de l'eau qui pourrait retomber et me faire tomber dans la lave, peut-être. Donc, au cas où. Ah, pas génial. Si on reprend l'autre côté, bah génial, on va pouvoir faire notre nether en plus. Ah, succès obtenu. Et on va pouvoir faire notre portail du nether parce qu'on a en plus de l'obsidienne juste à côté. On n'a pas encore un creeper. Je vais mettre je vais bloquer l'eau là tout. Ouais, je vais pas passer par là. Et je vais faire mon portail du Nether voilà, c'est ce que je vais faire. Après, ouais, d'accord. Punaise, c'est grand. Alors.
Hop, j'ai bloqué l'eau pour pouvoir travailler. Alors, on va faire un établi et on va faire donc notre pioche en diamant, car pour prendre l'obsidienne donc qui est essentielle pour notre portail du Nether, c'est obligatoirement la pioche de diamant et c'est très très long donc à prendre. Voilà, comme vous pouvez le constater, seulement pour un bloc. Donc je les ramasse et on se voit tout de suite. On a besoin de 9, donc ça va aller plutôt vite. Ouais, non, je vais pas faire une ellipse, on va parler pour l'instant du Nether si vous le voulez bien. Alors, on pouvait faire une méthode plus rapide aussi pour aller dans le Nether, mais j'ai pas voulu la faire, je préfère faire la méthode que tout le monde fait, parce que j'ai pas envie de m'embêter de faire la seconde méthode où on n'a pas besoin de diamants justement. Mais j'ai voulu être classique sur les bases de Minecraft, puisque c'est cela. Donc peut-être que je le ferai dans mon aventure survie. C'est vrai que ça fait depuis longtemps que j'ai pas fait de vidéo dessus. Mais j'essaye de recommencer à faire des vidéos, comme vous avez pu le remarquer. Donc je vais poster des vidéos. Je vais essayer de poster des vidéos toutes les 2 semaines. Et donc cette semaine, donc c'est là, ça va être une base de Minecraft. Après, j'ai un nouveau projet. C'est donc les histoires du village paumé. C'est une série à but humoristique. Enfin, vous verrez bien au premier épisode qui sortira, je pense, bientôt. Donc là, on va bientôt avoir neuf obsidiennes. J'ai commencé à faire la place pour le portail. Par contre, j'ai pas envie que puisse aller des deux côtés, parce que les mobs, ça mérite. Alors voilà, j'ai eu quelques problèmes au niveau des dimensions, mais je vais régler ça tout de suite. Ouais, c'est vraiment long à prendre. Bon, bah on va attendre comme ça, hein, parce que... Allez, dépêche-toi. Et après, on n'aura plus qu'à faire un briquet pour allumer notre portail du Nether. Allez, hop. Donc, oui. Je me suis trompé, il n'y en a pas besoin de 9, mais de 10. Donc là, hop, je prends silex, parce que là, il y en a 2 en bas, 3 sur les côtés, 2 en haut. Ah ouais, donc c'est 10 au lieu de 9. Hein. Et c'est parti. Attention, 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 attention. Allez au fond des choses. Succès. Un téléchargement du terrain. Tiens, c'est particulièrement long. Et attention, on apparaît dans le Nether. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ok, bah, c'est normal. Et donc, on se retrouve pour le prochain épisode des bases de Minecraft. Donc, pour parler en plus approfondi du Nether. Salut à tous et à la prochaine.